Bonjour et bienvenue pour cette capsule du week-end du samedi 22 août et dimanche 23 août. Samedi, nous fêtons les Fabrices. Bonne fête aux Fabrices. Et dimanche, nous fêtons les Saintes Roses de Lima. Alors, pour cette capsule du week-end, on va aller voir les libérations énergétiques dans cet oracle d'Isabelle Serf. On va aller voir ce qu'il y a à libérer. Profitons de cette nouvelle lune-là pour aller voir ce qui a besoin d'être libéré. On ira faire un tour dans la lunologie et puis on terminera par le Béline. Alors, c'est parti, on y va. On va aller voir ce qu'il y a à libérer dans cet oracle. Alors, on en a une. Et on en a une qui parle de la colère. Alors, c'est de la colère que vous emmagasinez depuis plus de 5 mois. Donc, il serait peut-être temps de libérer ça. Hein. Profitez de cette nouvelle lune là pour regarder cette colère, ce qu'elle vous amène en fait. Hein, parce que. Et là, on a le chakra du plexus solaire. Oui, forcément, ça va avec. On va aller en chercher une troisième pour voir. Celle-là, elle veut sortir apparemment. Et c'est le chakra coronal. Alors, ici, on nous parle donc de la colère. Il est temps de libérer cette énergie qui ne mène nulle part, cette colère. Elle ne fait mal qu'à une personne, à vous. Elle fait mal à personne d'autre. Ici, on parle du chakra du plexus solaire. C'est le deuxième chakra ici, au-dessus du chakra racine. Et puis, on nous parle du chakra coronal, celui qui se trouve au sommet du crâne. Vraiment, là, on nous parle. Ces deux chakras font partie de ce pouvoir créateur que nous avons tous. Et cette colère bloque. En fait, la colère qui est en vous, et c'est une colère qui date de plus de 5 mois, celle-ci, la colère qui reste en vous bloque votre pouvoir créateur. Parce que tant que vous conservez de l'énergie telle que celle-ci, vous ne pouvez absolument pas créer un environnement joyeux dans votre expérience. Et c'est un peu dommage. Cette colère, il est temps de la libérer. Profitez de ces énergies de nouvelle lune pour libérer ça, parce que ça vous mène nulle part. Ça ne fait souffrir qu'une personne, celle qui entretient cette colère. On va aller voir dans la lunologie ce que ça nous dit. On va aller voir ce que ça nous raconte, parce que peut-être ça peut nous aider à libérer cette colère. Alors, un temps de guérison. Accordez-vous du temps, là. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, hein, cette carte. Accordez-vous le temps de guérir. Si vous avez besoin de quelques jours, là, pour faire une pause, si vous entretenez de la colère envers une situation ou envers quelqu'un, il est peut-être temps de faire une pause et de vous éloigner de la personne ou de la situation. Et d'aller voir un peu à quoi elle vous sert cette colère, à quoi ça sert de garder cette colère en vous. C'est des questions intéressantes à se poser. Alors, on va aller en rechercher deux. On va faire une coupe. Alors, on nous parle, sortez de votre zone de confort et maintenez votre cap. Alors, là, bon, sortez de votre zone de confort. Moi, je veux bien, mais ça peut faire peur, ça, hein, quand même, de sortir de sa zone de confort. Ça peut faire très peur. Moi, je préfère élargir cette zone de confort plutôt que d'en sortir. Vaut mieux élargir cette zone. Puisque quand on est installé dans quelque chose de confortable, même si c'est de la souffrance, hein, il y a forcément un avantage à rester là-dedans, sinon on en serait déjà sorti. Donc, si vous êtes dans une zone que vous connaissez par cœur, mais que vous avez envie d'exploiter autre chose,
plutôt que d'en sortir, élargissez cette zone. Moi, enfin, je sais pas, je trouve que c'est plus confortable. Derrière, maintenez votre cap. Ici, quand on élargit sa zone de confort, c'est pour aller chercher autre chose ou améliorer sa situation. Donc, gardez toujours votre objectif en ligne de mire et profitez de cet élargissement pour... oh mince! Pour explorer d'autres choses. C'est vraiment l'invitation ici, là, avec cette nouvelle lune. C'est vraiment ce que ça nous dit de vous libérer de la colère. Commencez par là. De ces énergies là qui on entretient cette colère qui ne sert à rien. Accordez-vous ce temps de guérison. Élargissez votre zone de confort et maintenez votre cap. On va demander au Béline ce qu'il nous dit dans la matière pour ce week-end. Ce que ça présage. On va faire une coupe. Il nous parle de réussite. Oh! Il nous parle de réussite et de pénate. Là, ici, ces énergies que vous libérez, vraiment, ces énergies que vous libérez vous amènent une réussite dans l'élargissement de cette zone de confort. Ici, on parle de la demeure, hein, donc on parle de votre lieu d'habitation. On parle aussi de ce temple intérieur, là où réside notre enfant intérieur. Ça parle de ça dans le Béline. En tout cas, ça parle aussi de déménagement ici. Hein. On peut aussi parler de déménagement avec cette réussite ici. Il y a quelque chose là. Il y a... Pour les gens qui désirent acheter là, pour la rentrée, c'est vraiment en bonne voie. Le tout est de bien vouloir libérer cette colère là, que vous entretenez. Je ne sais pas bien le rapport avec les pénates. En tout cas, le... Enfin, avec les pénates dans le cas où vous voulez acheter une maison. Mais dans ce temple intérieur, cette colère a besoin d'être libérée. Quand on dit libérer la colère, ça veut dire que vous avez le droit d'être en colère. Il n'y a rien de mal à être en colère. C'est quand on se juge. On se juge d'être en colère. C'est ça qui fait mal, en fait. Vous avez le droit hein, d'être en colère. Il n'y a pas de mal. Hein. Alors, on va aller en chercher deux. Alors ici, on nous parle de pensée, amitié et de feu. Alors là, on nous parle du cercle amical. On parle des amis ici. Et on parle du feu. Alors le feu, c'est quand tout s'enflamme. Ça peut être dans, ça peut vouloir dire deux choses. Ou ça s'enflamme et là, ça explose et on se brouille à vie avec ses amis. En tout cas, avec certains amis, ou alors, c'est l'inverse, ça, le Béline peut vouloir dire aussi qu'il y a une énergie qui enflamme les esprits, là, et qui rallie tout le monde, et qui élargit ce cercle d'amis, en tout cas dans les deux cas, c'est très bénéfique, hein. Que vous soyez à exploser votre cercle d'amis parce qu'il ne vous convient plus, et que ça ne correspond plus du tout à vos attentes, c'est possible, hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Quand on parle de libérer la colère, c'est pas étonnant qu'on trouve ces énergies-là dans le Béline. En tout cas, là, ici, il y a de la progression. Il y a, pour la rentrée, là, il y a des choses qui se préparent avec cette nouvelle lune. C'est hallucinant. Alors, on va aller en chercher deux dans le Béline. Tout tombe. Eh ben, on en a trois à terre, on va aller chercher. Alors, le Béline nous parle. On parle de quoi ? Il nous parle de beauté, de pourparler et d'entreprise. Alors, la beauté, l'entreprise et les pourparlers. Là, il y a quelque chose. Alors, la beauté, ça peut être l'espoir ici. Le Béline en parle comme de l'espoir. Il en parle aussi comme de la beauté en tant que telle. Alors, ici, il y a de l'espoir dans les entreprises ici. Pour la rentrée, il y a des choses qui bougent chez vous. Là, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui bougent. Que ce soit dans le milieu professionnel
ou qu'on ait entrepris un projet quel qu'il soit, ici, il y a de l'espoir, il y a même de la beauté là-dedans. Et pour parler, c'est de la négociation. Donc là, il y a vraiment, vous rentrez, pour ceux qui ça parle, là, dans l'entreprise, ça peut être professionnel ou un projet quelconque, vous rentrez dans une période de négociation. Là, on arrive au bout des choses. C'est-à-dire que là, on est en train de peaufiner ce projet. Il y a des gens là qui vont rentrer dans des négociations à la rentrée et ça promet d'être beau parce qu'on a la beauté qui sort. Donc la beauté, c'est de l'espoir, mais c'est aussi vraiment quelque chose de beau. J'ai même envie de vous dire que ça, la beauté qui est représentée dans cette carte, ça peut être aussi quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et c'est au-delà de vos espérances. C'est vraiment ce que je sens là pour ce week-end. Là, il y a des choses qui bougent et qui vont faire avancer vos projets pour la rentrée, ça c'est certain. Libérez cette colère, tout ce qui vous empoisonne, libérez cette colère, élargissez votre zone de confort, maintenez le cap, et accordez-vous ce temps de guérison pour ce week-end du 22 et 23 août, s'il vous plaît. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, j'attends vos retours. Je sors cette vidéo sur le tarot Béline, parce que comme j'aime beaucoup le Béline, j'avais envie de me servir du tarot, je vous sors cette vidéo pour ce week-end. Moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Et la semaine prochaine, moi, je suis en vacances. Donc, je vais peut-être vous mettre une vidéo ou deux pendant la semaine. J'en sais rien. Je vais voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin du mois d'août. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt.